Aujourd'hui, on est à Emory, zone industrielle, mais c'est à côté d'un beau quartier résidentiel. Les acheteurs futés ont déjà fait de bonnes affaires ici. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas aujourd'hui. Emory, les acheteurs de boxe en rêvent. Aujourd'hui, il ne faut pas lésiner. Non, on ne dépense pas beaucoup, on dépense intelligemment. S'il veut qu'on soit associé, il faut que mon père arrête d'acheter n'importe quoi. Donc, je vais te fixer un plafond. Un plafond? Je me suis penché sur la compta et tu jettes l'argent par les fenêtres. Est-ce que Boogie sait compter? C'est parce que t'es de ma famille que je peux le permettre. N'oublie pas que tu te bats pour m'avoir comme associé. Comment je m'en sors? Très mal. Mes ventes sont en train de chuter. J'imagine que c'est parce que j'ai pas les bons articles. J'ai besoin d'un stock de marchandises que les clients vont s'arracher. Aujourd'hui, il faut vraiment que je tire le gros lot. Ça va être une belle journée. J'ai sorti ma bagnole préférée pour aller à Emory. J'ai toujours fait de bonnes affaires là-bas. Je suis le roi et Emory est mon château. Il y a pas mal de box d'entreprises à cause de la zone industrielle. Il y a parfois aussi des objets anciens, peut-être des trucs pour ma tanière. En tout cas, aujourd'hui, je compte bien m'amuser. Tu te souviens du bon vieux temps, quand il n'y avait pas autant de monde aux enchères, et qu'on avait des box pour une bouchée de pain? Les nouveaux, ils dépensent tellement de fric pour des box sans intérêt. Et ensuite, ils se grillent et disparaissent. Ouais, ils vont, ils viennent. Quand je vois des nouveaux, je me dis, oh non, c'est pas vrai. Les chiots, c'est mignon. Mais les vieux chiens gagnent toujours. La nuit, on est des agents d'entretien et le jour, on achète des box. Ouais. Alors là, c'est quoi? Du travail au noir ou du travail réglo? Pour moi, c'est réglo. On a deux boulots, on va bosser là. Avant, on était des habitués, mais on a un peu décroché. Non, c'est du noir. Non. Si, c'est du noir. Tu penses noir, je pense blanc, on s'oppose. Crétin. Meatball. T'es assis sur un bottin ou quoi? Eh, vas-y, vérifie. Écoutez les gars, vous êtes dans la cour des grands là. On n'est pas chez les petits joueurs. Salut. Salut Cindy. Comment ça va? Quoi de neuf? Suivez-nous, n'oubliez pas la hiérarchie. C'est vrai. Les gros chiens mangent les premiers. Ces vieux clefs me font pas peur. Hey, laisse-les dire. En fait, ils se sentent menacés par notre présence. Je veux pas acheter des box pourries ou qui sont... C'est notre business, Bogart. Si on n'achète pas de box, on fait pas d'argent. On ne peut pas gagner sans acheter. Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente. Nous avons quelques box en défaut de paiement. On ouvre la grille, on y va et on casse les cadenas. On ne rentre pas, on ne touche à rien. Est-ce que c'est compris? Le paiement se fait en cash, donc celui qui en a le plus peut gagner le gros lot. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors c'est parti! Bon, après avoir jeté un coup d'œil traversé, on fera la vente de l'autre côté. Oh, 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 regardez-moi ça! Il y a de jolis meubles anciens, des tapis persans, une ramure d'élan. C'est un box intéressant. Ça m'intrigue. Quoi de plus intriguant qu'un box? Un brin de mystère. Franchement, qui a besoin d'un autre trophée d'élan? Ouais, non. Le fauteuil de coiffeur, tout est acheté. Ouais, c'est nul. C'est pas mal. Attendez, il y a des tableaux derrière, c'est mieux que ce que je pensais. J'espère qu'il montera pas trop. J'aime bien. Regarde cette chaise de coiffeur. Ouais, et le matelas? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un canapé. Il y a beaucoup de meubles difficiles à vendre. J'adore les cartons de bananes. Eh bien, c'est bien rangé, hein? Ouais, il y a beaucoup de cartons. On devrait le tenter, même s'il plaît aux autres aussi. Faut qu'on fasse gaffe. C'est une bonne affaire. T'as pas besoin de ce genre de truc, Ursula. Tu t'intéresses qu'à ces... Attention, il y a des enfants par ici. Bien, nous allons commencer. Un petit box qui a 500 dollars. 500 pour madame. 550. 600. 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. 1200. 200, 1300. 1300, 1400, mademoiselle. Oui. Roy est à fond. On va pas s'arrêter. 500, qui a 1525. Oui. Maintenant, 1550. Oui. 1575 pour toi. 1600. 1625. Oui, non. Oui, ce box est nul. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée. Tu plaisantes. 1675. Oui. Oui, 1675. 1700. C'est trop cher pour moi. Je le lui laisse. 1725. Adjugé 1700 dollars à Roy. 1700.
Je voulais pas dépasser 1000. J'étais prêt à aller jusqu'à 3000. Waouh, 1700 pour ça. Il y avait rien là-dedans. Waouh. Ça a l'air différent de tout à l'heure. J'ai pas vu un cadre comme ça depuis longtemps. Ça me fera bien $1. Ce magnifique trône. $2. Une autre magnifique chaise, elle est toute seule. Pas plus de $2. Un peu de linge sale. Ça fait beaucoup de détritus. Super, je suis le roi de la poubelle. C'est une table basse ou un truc pour poser une plante? Ça vaut peut-être $5. Ça m'a coûté $1700 pour tout jeter. Ce lit, $1. Cette lampe, $1. La parole, mais c'est un magasin, tout est $1 ou quoi? Là-dedans, tout vaut $1. Il doit bien y avoir quelque chose dans ce box. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plutôt cool. Il a une dent cassée, mais dans ses ventes, on y a tous laissé des dents. Si quelque chose doit me sauver sur ce box, je parie là-dessus. Il faut que je le fasse estimer. Bon, ça y est, box suivant, numéro F186. Jetez un coup d'œil, il est plein à craquer. Tout ce qui est visible, comme le canapé, semble sympa. Les valises, les cartons surprises. Il me plaît. Il lui plaît. Il lui plaît vraiment. Du calme, mon gars, n'oublie pas qu'on a un plafond. Je vois un magnifique écran plat. Le seul bémol, c'est ce matelas king size. À part ça, c'est pas un mauvais box. Ne te fais pas remarquer. Ils ne pensent pas qu'on va acheter. Et au dernier moment, boum, on saute sur l'occasion. Le matelas, je déteste le canapé. Où est passé le gnome? Je crois qu'il est dans le box. Oh non, il est juste là. Ce mec commence à me saouler. Faut faire gaffe. Les petits, ça s'emporte vite. Il me saoule vraiment. Le gnome me fait marrer. Je sais pas. C'est un sacré bazar là-dedans. C'est nul, ça vaut pas une cacahuète. On a un canapé, des valises qui doivent contenir des vêtements. Ça peut être intéressant. C'est un gars qui a des baskets de marque. Il y a des trucs pas trop mal. Bien, on commence. $100. 100 par ici. 125, 125, 150, 175. Passons au petit coup d'index discretos. 175, $200, 200 et 225. 250 au fond. Oui. Là. 275. Ça suffit. Et $300. 301. 300. 325. 350. Ouais. 375. $400. Qui pour 400. OK. Wow. 450. 475. 475. Là. $500. 525. Contre qui je renchéris? Moi. OK. D'accord. 550. 575. Papa, on arrête les frais. La fête est finie. Adjugé $550 à Ursula. Et voilà le travail. Oh, la ferme. Je l'adore déjà. Incroyable, moi, je m'en vanterai pas. Les enchères montent beaucoup trop haut, Mike. Je crois que j'ai trouvé un moyen de contourner le plafond sans énerver Boogie. L'endroit te plaît? Hey, tu le sens bien? J'en veux un. Ouais, on en a raté deux. J'ai un associé, mais il est têtu, vous voyez. Avec mon expérience et vos muscles, on ferait une bonne équipe. Il veut qu'on s'associe à 50-50. Et niveau flic, tu as dit que tu avais un budget limité. Un budget microscopique. Non, mais j'ai mes fonds propres. Ok. Je suis génial. Regardez-moi ça, plein à craquer. Ce box est incroyable. Rien que la façon dont c'est rangé méthodiquement. Le barbecue, la pièce en rotin, c'est propre et organisé. Wow. Les enchères vont exploser. Des échafaudages, beaucoup de boîtes. Ça va sûrement grimper très haut. On va voir jusqu'où. Pas mal de beaux outils. Une super fraise à neige juste devant. Un carton de télé écran plat. Ce sera un box intéressant à découvrir. C'est un jacuzzi? Une baignoire? Ce genre de box est sympa. Il me plaît. Ouais. Oh purée, ça résonne, zon. C'est tellement grand. Tu crois qu'il est plein? Non, je crois pas. Il y a peu de chance. Il est ficelé. Ce serait quoi, des tableaux? Ça va être très cher. Chut.
Bien, c'est parti, on cherche à 1000, 1100, 1001, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. 2100 et 2200, 2300, 2400, 500, 600, 2700. Ouais! Tu fais quoi là? Personne à 2800? Adjugé, 2 700 $ à Paul! Yes! Boogie va adorer ce box, j'en suis sûr. Quel imbécile! C'est un super box et on a un coup de main! Pourquoi ces types nous suivent comme des vautours? Tu te plains toujours qu'il y a trop de boulot. Là, au moins, on divise la tâche par trois. On divise la somme en deux. Le boulot aussi, c'est tout bénef. Il devient incontrôlable. Super! Mieux que ce que je croyais. T'en penses quoi, Boogie? Je pense que je vais vous laisser. Boogie, ce box est immense! J'ai besoin de toi! C'est ton problème. On voit les choses du bon côté. On est arrivé les poches pleines, on repart les poches pleines. Avec les intérêts. C'est de l'argent qui travaille. Pitié, pitié, faites que ce soit un bon box. Non. Wow. Cette télé va me rapporter entre 250 et 300 dollars. Trois paires de tennis à 15 dollars pièce. Ces chaussures? Je peux en tirer 20 dollars sur mon site. Elles sont quasiment neuves. Ce meuble télé, je dirais 50 dollars. Je hais les matelas. La phobie des matelas, ça existe. Des sachets de gants neufs, 5 dollars le sachet. Je dirais que dans ce grand sac, il y a en tout 80 dollars de marchandises. Je suis contente de la tournure que prend le box. Donc, ce qui vient, c'est que du bonus. Bon, je me serais bien passé des caleçons sales. Regardez ça, un micro-ondes tout neuf. J'en tirerais 75 dollars. Magnifique. On dirait que ça sort des années 80. Les années 80 riment avec énormes gains. Il faut que je vérifie ça. Autant sortir tout de suite. On n'a pas de temps à perdre. C'est l'heure de découvrir nos trésors. Première boîte mystère. Voyons si on est chanceux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est Noël. 20 dollars. Suivant. Encore Noël. Ça, c'est une boîte à 100 dollars. On a besoin d'un bon truc, là. Encore Noël. L'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup. Oh la vache! Ça commence à faire trop. On a intérêt à trouver des choses de valeur, parce que sinon, Boogie va me tuer. Et ça, c'est quoi? Impossible. Vas-y, fais-nous une estimation. Tu t'y connais, non? Des trophées en forme de pénis. 100 dollars. C'est pas évident à vendre. Paul s'y connaît en pénis. On pourrait en donner un à Roy. Je trouve que ça le représente bien. Oh, foutez de moi! Non, on n'oserait pas. Sans blague. Tenez-le bien, on le sort. Sors-le du box. À nous les 60 pouces. Cette télé va nous sauver la mise. Ok, les gars, verdict. Oh, la lose. Petite guirlande lumineuse. 10 dollars. Je veux pas me vanter, mais selon mon expérience, je dirais qu'il y a de grandes chances pour que ce soit un sapin. Mets-le là. Et où est la télé? Sûrement pas dans ce carton. 10 dollars pour un sapin de Noël. J'ai l'humeur du père Fouettard. On commence mal, les gars. Ok. Ça devient cool. Des pièces de voiture haut de gamme. Ça vaut combien, à votre avis? 500. Ouais, c'est comme ça qu'on va faire le vide. Un mur de carton. Allons à la lumière. On n'a jamais assez de filtres à air. Des filtres de voiture, comme des petits pains. Ils ont 10 dollars l'unité, 480 dollars le carton. Encore des filtres. Encore un autre carton à 500 dollars. On fait le ménage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a d'autres ici, Paul. 14, 15, 16, 17, 18. Il n'y a que ça. 18, ça fait 9 000 dollars. Bye bye, les serpillères. C'est une couverture de jacuzzi. Je suis passé à travers celui de mon père en m'asseyant dessus. Ça m'a coûté 1500 dollars. Donc on pourrait en tirer au moins 1000 dollars. Une queue de billard sur mesure. T'en as une autre? Ouais. Pour les deux, disons 100-150 dollars.
Paul, on a un truc ancien. T'as peut-être une idée. Ça vaut pas plus de 30 dollars. Un presse-papier, quoi. Ouais. Une scie circulaire, 50 dollars. Et pour cette tondeuse? La tondeuse, si elle fonctionne, 50 dollars. Elle a l'air de bonne qualité, en plus. On se fera facile, 50 dollars. Un sac de frappe, 40 dollars. Bogey, tu rates le meilleur! On est assis sur un tas de billets et nous reste encore tout ça à voir. Oh, la vache! Ce sont des fourneaux tout neufs. Combien ça vaut, ça? 3500, 4000 dollars. Pièce? Pièce. On va tout nettoyer. Bientôt, toi aussi, tu feras le ménage. Maintenant, comment je m'en sors, Boogie? Là-dedans, t'as regardé, c'est quoi? Tu vois la tête d'Indien au bout? Ouais. On dirait des emblèmes de capot de voiture. Oh, un petit rien pour toi. Je sais pas ce que ça vaut, mais il faut qu'on voit ça. Je vais rencontrer Doc dans sa boutique. Ce type vend tout. Des équipements de motards, des vieux flingues, des os, des têtes réduites. Si vous cherchez quelque chose dans le genre, il l'aura. J'espère qu'il me dira combien de dollars je peux tirer de ce crâne. Parce que si ça ne vaut rien, j'aurai vraiment la tête sous l'eau. Salut Doc. Salut Roy. Ça va mon pote? Qu'est-ce que tu m'apportes? Je sais pas trop. Moi je sais ce que c'est. La classe, j'adore cette truc là. Les gens achètent souvent des crânes humains? Oui, j'ai quelques clients. Les mecs veulent cultiver leur virilité. Pour ça, ils sont prêts à pratiquer la chasse, le tir, ou à collectionner des curiosités de la nature. Ils veulent des crânes. Peut-être pas des crânes humains. Il a quoi, celui-là? Un impact de balle? Eh ben... ils ont tous leur petite histoire. La plupart se sont noyés dans le Gange. Mais ce gars ne s'est pas noyé. Je ne suis pas sûr à 100% de ce qui lui est arrivé. T'es pas sûr à 100%? J'y étais pas, c'est sûr. Il a un trou de chaque côté du crâne. Je visualise bien ce qui a pu lui arriver. Surtout, lui dis pas, ça pourrait le contrarier. Je crois qu'il n'écoute plus grand monde. Alors, voyons ce que tu m'apportes. C'est ce que j'aimerais justement savoir. C'est un vieux crâne tout bizarre. Tu sais, les gens adorent les vieux crânes d'animaux. Est-ce que tu as là est un smilodon. On l'appelle à tort tigre à dents de sabre. Comme le mien, c'est une reproduction. Celui-ci a été moulé sur un vrai crâne. Combien tu vends le tien? Autour des 800 dollars. 800 dollars? Je pensais qu'une belle tête serait bien plus chère. Ça, c'est un plâtre. De qualité médiocre. S'il était bien présenté et réparé... J'aime pas le chemin que ça prend. 250 dollars réparés. En l'état, 99 dollars. Combien tu m'en donnerais? J'en veux pas. Ce box ne m'a pas coulé. Il m'a carrément saigné. Tu me l'échangerais contre ta loupe? Ça marche. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps, je croyais que c'était plus ancien. Tu ne m'as pas fait perdre mon temps. Je vais le réparer et le vendre 250 dollars. Je rêve ou je viens de me faire avoir? On est à New Hampshire pour voir les frères Miller. Ils sont incollables sur les vieilles caisses. Avec un peu de chance, nous dirons ce que ces trucs valent. Je suis impatient de savoir. On nettoie. C'est ce que font les agents d'entretien. Vous voyez ce que je voulais dire? Regardez-moi ça. Salut mon vieux. Comment ça va? Pas trop mal, et toi? Allez! Appuie sur l'accélérateur. Vas-y! J'ai l'impression d'être dans Thelma et Louise. Voilà ce qu'on aimerait faire estimer. C'est une petite merveille. On le reconnaît immédiatement. L'une de mes figures de proue préférées des années 50. Ça vient d'une Pontiac Chieftain 1953. Elle est vraiment en excellent état. On voit bien qu'elle n'a pas été ôtée d'une voiture en train de pourrir au fond d'une cour. Combien vaut celle-là? Vu l'état, je dirais... vous pourriez en tirer près de 300 dollars. 300? Ok. Pas mal pour un vieux bout de carrosserie. Et celui-ci? C'est sûrement la plus étonnante de tout le lot. Très bon état. Une célèbre marque de voiture utilisait des bouchons de radiateur similaires au début des années 30. Ça pourrait être une très belle pièce de collection. Ces figures de proue valent 5000 dollars. Et la nôtre? À mon avis, il lui manque un petit truc et elle n'a pas le bon poids pour être de cette époque-là. Alors je dirais pas plus de 60 dollars. Ça est dur à avaler.
Salut, Bogey. Les emblèmes de voiture valaient pas grand-chose. Le reste du box va nous rapporter 20 000. Je te donnerai une part. Oui, bien sûr, t'auras ta part, t'en fais pas. Une petite part. Je suis en route pour voir Dr. Sang et Commander Meush. Ils ont un de ces groupes un peu dingues qui jouent de la musique rétro-électro-funk. Et ils utilisent justement un keytar. C'est pour ça que je leur apporte mon instrument, pour avoir leur estimation. S'ils me donnent un bon prix, ça veut dire que j'ai tout déchiré avec ce box. Je vous ai dit qu'ils étaient dingues. Ursula, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait un bar. Wow. Voilà ce que je vous ai apporté. C'est mon keytar. C'est une libération. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? C'est un instrument emblématique des années 80. Il est très recherché par les collectionneurs et les groupes comme le nôtre. Ça dépote, mon pote. Ça vaut quelque chose alors, c'est ce que tu me dis, non? Bien sûr, les instruments vintage et surtout ce type de synthétiseur analogique sont très recherchés. Recherchés? C'est mon mot préféré. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Il a l'air en très bon état. Sa customisation lui donne un petit look funky. Les boutons, tout a l'air en état de marche. Qu'est-ce que t'en dis, Commander? Il a l'air super. Je suis d'accord. Ça vaut combien? Je dirais... 500 $. 500 $? Oh, je suis ravie. Je prends sans hésiter. Allez, on danse. Noël est arrivé avant l'heure pour les deux agents d'entretien et Paul qui ont laissé Bogart de côté. Ursula est au 7e ciel. Non seulement elle a trouvé des articles pour sa boutique, mais aussi un instrument un peu dingue. Roy, qui croyait faire un carton en piquant le box sous le nez d'Ursula, a en fait touché le fond. Et les vétérans ont su garder leurs cartes et se retirer du jeu gardant leur cash pour un autre jour. Nul, ça vaut pas une cacahuète. Un de ces gars a un compte de chantier sur la tête. Allez savoir pourquoi, allez savoir pourquoi. Mes câbles fous me font flipper. Ces mecs un peu fous. Stop! Solo d'Ursula. Kita. Vous êtes vraiment cool! Toi aussi, t'es cool, merci. Là, j'ai tout de